Bonjour à tous, bienvenue sur Pétanque TV Bénin, la chaîne de la pétanque béninoise. Nous jouons ici la Coupe des clubs, édition 2023, organisée par la Ligue Atlantique Littorale, c'est au Bénin. Et nous allons assister ici à une grande rencontre entre deux grands clubs. Il s'agit de Prestige, composé de Vital Boudrenou en cerceau pour son premier point, Moustaïn Adeniyi, l'international béninois qui a fait la Coupe du Monde tout récemment, et Vivian Zevidjo, lui aussi international. Ces trois joueurs vont jouer contre la triplette de PC Zam, composée de Steve Vigan en cerceau, qui vient de faire une belle reprise de points. Steve Vigan, Mohamed Table, qui a aussi joué la Coupe du Monde tout récemment, en septembre dernier, dans l'équipe nationale libanaise, et l'autre international togolais, et tous internationaux, Pastor Ayanfodou. Et voilà, premier main en cours avec ce premier tir de Vivian Zevidjo, l'international béninois, tir réussi. Et donc voilà la présentation des deux équipes. Chers amis, restez connectés, prenez du pop-corn, ça va bien se passer, c'est une très belle rencontre. Restez assis pour suivre cette rencontre. Allez, c'est parti avec Steve pour sa deuxième boule. Un joli point, ce qui va encore obliger Vivian Zevidjo à tirer. Zevidjo. Zevidjo pour le tir. Il se concentre. Il vient en cerceau pour le tir. Super petit palais de Zevidjo Vivian, l'international béninois, qui a réussi ses deux tirs. Au début de cette partie, nous jouons la première main. Le bouchon est à 8 mètres du cerceau. Et voilà, Pastor, le joueur international togolais. Reprise de points manquée pour Pastor. Reprise de points manquée pour Pastor qui a un second essai à faire. Et voilà, cette fois-ci, c'est réussi. C'est très bien joué. Et Moustaïn Adeniyi qui va pas tarder donc à tirer cette boule. Il se positionne. Il se concentre. Et c'est réussi. Un super petit palais de Moustaïn Adeniyi, international béninois. C'est très bien tiré. Mohamed Table qui va. Pastor. Pastor, bougez, vite. Reprise de points manquée pour Mohamed Table. Il va essayer donc de bien faire pour sa deuxième boule. Cette fois-ci, c'est bien joué. Félicité par Steve Vigan. Alors que Prestige a encore deux boules à jouer. Moustaïn qui va tirer. Super, c'est réussi. C'est réussi une deuxième fois pour Moustaïn. Et Vital Boudrenou qui va simplement additionner. Non. Voilà, le deuxième point est litigieux. Voilà, deuxième main en cours avec Vital Boudrenou pour le lancer de bouchon. Je rappelle qu'à l'issue de la première main, Prestige sort avec deux points. Donc le score est de 2-0 en faveur de Prestige. Vital en cerceau pour son premier point au début de cette deuxième main. Le score est de 2-0 en faveur de Prestige.
un peu écarté pour Vital, mais c'est pas grave, c'est bien joué. Et Mohamed Table qui va tirer. Un super petit palais de Mohamed Table. Ça commence très bien là pour cette deuxième main. Super petit palais. Et Vivian Zevidjo qui va pas tarder à répondre. Lui aussi par un tir certainement. Vivian Zevidjo, l'international béninois. Demi finale, doublette. C'est répliqué. Réponse du berger à la bergère. C'est très bien tiré par Vivian Zevidjo qui réplique avec un joli tir carreau. Ça joue très bien ici. Steve Vigan pour la reprise de points. Reprise de points réussie pour Steve Vigan de PC Zam. C'est très bien joué. Et Vivian qui va tirer une seconde fois avec sa dernière boule. Allez, Vivian se concentre. Allez, Vivian se concentre. Super petit retro de Vivian Zevidjo. C'est très bien tiré. Ça frappe sec. C'est très bien joué. Allez, Steve, pour la reprise de points. C'est réussi pour Steve Vigan une deuxième fois. Ça joue très bien. Côté pointeur, côté tireur. C'est très bien joué. Moustahine pour le tir. Super petit carreau de Moustahine Adeniyi, l'international béninois. Ça joue très bien. Les deux internationaux béninois sont très en forme. Ça se voit. Vivian Zevidjo et Moustahine Adeniyi. Ça joue très bien. Les tirs sont précis et secs. On assiste à une belle rencontre entre PC Zam et Prestige, deux clubs de Akpakpa. C'est au Bénin. Allez, l'international togolais, Pastor Ayanfodou, qui essaie de reprendre le point. PCSH. PCAC, PCSH. Demi finale, doublette. C'est trop. La prise de points réussie pour Pastor. Allez, Vital en cerceau pour la reprise de points. Non, c'est trop fort. Bien joué, Moustahine Adeniyi qui réussit la reprise de points. Boule terminée donc pour Prestige, alors que PC Zam a encore une dernière boule à jouer. Non, c'est manqué. Un point pour Prestige. Nouvelle main en cours entre PC Zam et Prestige Pétanque Club de Pont-de-Houx. Le score est de 3-0 en faveur de Prestige avec son pointeur Vital Contrenou qui vient de faire un joli point. Ça joue très bien ici. Nous jouons la première demi-finale triplette
pour la Coupe des Clubs édition 2023. Super petit retro de Mohamed Tab. C'est très bien joué. Steve Vigan de PCZ Manserso pour le point. Ouais, c'est bien joué. Vivian pour le tir. Un petit palais, c'est réussi pour Vivian Zevidjo, l'international béninois. C'est très bien joué. Et Steve Vigan qui a encore une dernière boule à jouer pour la reprise de points. Vigan, Steve, de PCZ. Voilà, c'est réussi. Vivian pour son second tir. C'est pas bien touché, mais il a fait l'essentiel. Et l'international togolais Pastor Ayanfodou qui va jouer la reprise de points. Il se concentre. Et voilà, c'est bien repris par l'international. Et Vital pour la reprise de points. Oui, reprise de points réussie pour Vital Boudremou de Prestige. Et Mohamed Tab qui va donc tirer, il va pas tarder à tirer cette boule. Mohamed Tab, l'international libanais, c'est manqué. Allez, Moustaïen pour le tir. Super petit rétro de Moustaïen. Nouvelle main en cours ici. Le score est de 6-0 en faveur de Prestige. Nous jouons la première demi-finale triplette de cette édition de Coupe des Clubs, édition 2023, avec ce superbe point de Vital Boudremou pour Prestige. Et nous allons ainsi assister au premier tir de cette même. Et c'est l'international togolais Pastor Emmanuel Ayanfodou qui va donc tirer. En attendant, il vérifie la distance. Allez, Vital Boudremou pour son premier point. Le bouchon est à 9 mètres du cerceau. Il soulève très haut sa boule. L'équipe là, c'est 6 mètres. C'est 6 mètres, il joue. Après 6 mètres, il ne joue plus rien. C'est un peu écarté. C'est 6 mètres.
C'est 6 mètres, il joue. Je rappelle que le score est de 6-0 en faveur de Prestige pour cette première demi-finale entre PC ZAM et Pétan Club de Condéou, Prestige Pétan Club. Allez, Vigan, Steve. Finale doublette. PC ZAM joue contre PC SH. Doublette PC ZAM et PC SH sur le terrain en face. Très bien joué pour Vital Bodrenou. Ah oui, c'est très bien joué. Superbe reprise de points de Vital. Il a l'habitude de soulever sa boule ainsi. Et ça lui marche toujours. Lui seul a le secret de ce qu'il fait. Et l'international togolais pour le tir. Oui, c'est gratté. C'est un tir sur l'oreille. Il n'a pas bien touché la boule. Et Steve Vigan pour la reprise de points. Steve. Belle reprise de points de Steve. Ça joue très bien côté de ses armes comme côté Prestige. Allez, l'international béninois. Vivian Zévidjo pour le tir. Très bien tiré, c'est très bien tiré par Vivian Zévidjo. Allez, l'international togolais. Oui, c'est réussi. Belle reprise de points de Mohamed Tab, l'international libanais. Ça joue très bien. Boule terminée donc pour PC ZAM de Mohamed Tab. Et Vivian Zévidjo de Prestige qui va tirer. Ouais, tu réussis. Tu réussis pour Vivian Zévidjo. Encore deux boules à jouer pour Prestige. Moustahin qui va tirer. Casquette sur la boule, mais ça réussit. Nouvelle main qui commence ici entre Prestige et PC ZAM pour cette demi-finale. Et Prestige qui est à 7 et 0 pour PC ZAM. Première demi-finale, triplette. 7-0 en faveur de Prestige. Allez, Emmanuel, international togolais pour la reprise des points. Non, c'est court. Cool.
Vivian Zinvidjo qui va tirer se positionne. Vivian Serso pour le tir. Et voilà, c'est réussi. Un petit palais de Vivian Zinvidjo. Je rappelle que le score est de 7-0 pour Prestige. Première demi-finale triple. Un peu fort pour Pastor. Et voilà, belle reprise de points pour Mohamed. Très bien joué. Et Vivien qui va tirer. Super petit carré de Vivian Zinvidjo. C'est très bien tiré. Et voilà, terminé au Prestige. Prestige qui l'emporte, c'est très bien joué. Ouais, c'est haut niveau, très bien joué. Encore le haut niveau sur le toit, le toit du monde. Ah ouais.